Bonjour mesdames, mademoiselles, messieurs, nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui sur notre chaîne de télévision pour la toute nouvelle édition du Grand Prix Button. Sur la grille de départ. Le numéro 15 Dev, le 5 Thierry, le 23 Romain, 25 Pascal, 20 Sébastien, 9 Samuel, 3 Roland, le 11 Manu. Le 19 Florence, 22 Christian, 17 Gilles, 5 Zanzon, 23 Loïc, 14 Georges, 1 Joao, le 8 Yannick. Le 7 Elias, 18 Gislaine, 10 Bernardino, 17 Gabriel, 15 Guy, 21 Flavio, 20 Carlos, 1 Cédric. Le 24 Chris, 4 David, 26 Jérémy. Sans oublier nos supporters, Jean-Claude, Francis, Carlos et Yves. Dans quelques minutes va avoir lieu le départ du Grand Prix, mais auparavant n'oubliez notre point jeu. Gagnez un voyage d'une valeur de 2890 francs en appelant le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Vous n'avez que quelques minutes. Nous voici sur la ligne de départ. Dans quelques secondes, tous les pilotes vont s'engager sur le circuit. Et c'est parti. Aïe aïe aïe, le numéro 23 a calé. Oui, décidément, encore un calage. Et à la sortie du premier virage, c'est Bernardino qui est en tête. Suivi de Carlo, qui va essayer de le rattraper. Ghislaine, une des deux femmes engagées dans ces grandes courses, a pris une stratégie toute particulière. Oui, en effet, Robert, elle observe. Ici, à l'écran, Bernardino engage une lutte acharnée. Voici Cédric, le pilote numéro 1,
très controversé. Oui, tout à fait, Robert. Ce pilote contrôlé positif à la blonde 25, deux années de suite, risque aussi cette année de devoir passer un super examen d'urine. Voici Chris, sur le karting numéro 24. Chris est l'un des favoris, il se bat pour le podium. Flavio qui le suit semble en ballottage. Tous les concurrents sont à la lutte. Le numéro 17, Gabriel qui est retraité membre du Racing Karting depuis plus de 30 ans court cette année en tant qu'amateur. Oui, en effet, Robert, Gabriel est un vétéran et compte à son actif plus de 8700 Grands Prix, dont deux victoires en double. Nous venons de voir passer devant les stands Gilles qui porte le numéro 17. Ici le numéro 15, Dev, t-shirt marron, talonne le concurrent numéro 10. Les jeunes ne sont pas en reste, mais la bataille est rude. Et voici le numéro 3, Roland. Et revoici Pascal aux prises avec un plus jeune, oh là 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 là, il vient de se faire sortir très brutalement. Il a mal. Nous avons un petit problème de son. Oui, c'est bien ça, on me signale en régie un problème audio. Nous allons donc en profiter pour faire un petit point jeu. Gagnez un voyage d'une valeur de 2890 francs en appelant le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Vous n'avez que quelques minutes. Nous voici de retour sur le Grand Prix avec, en tête toujours Pascal. C'est bien Pascal ? Oui, tout à fait Robert. C'est bien Pascal sur le karting numéro 25. Le voici justement qui aborde la courbe à très grande vitesse, avec en plus le record du tour à 2 minutes et 2 secondes. C'est incroyable, regardez cette fusée. Oui Robert, c'est magnifique. Jamais dans toute l'histoire du Grand Prix Button un pilote n'avait atteint de telles vitesses sur un circuit. Peut-être est-il aussi dopé ? Chut, Robert. Eh bien, nous sommes toujours sur ce magnifique circuit pour le Grand Prix Button, où 30 pilotes se disputent la première place.
Oui, Nathalie, cette journée est superbe, la météo est au rendez-vous et il y a foule aujourd'hui. À vous Magali. Eh bien, de là où je me trouve, il y a de nombreuses sorties de route. Cédric, le numéro 1, Sébastien, avec le numéro 20 a littéralement détruit son karting. Nous avons aussi Laurence, numéro 19, qui utilise son karting comme tondeuse à gazon. Comme c'est étrange. Comment ? Voilà la belle fille, voilà la belle fille.
au classement, et pour la première place, Pascal sur le karting numéro 25, en deuxième place, Jérémy sur le karting numéro 26 et pour la troisième place, Chris sur le karting numéro 24. Voilà, en espérant que vous avez passé une super journée en notre compagnie, nous vous souhaitons Magali, Nathalie et moi-même une excellente fin d'après-midi sur notre chaîne.